tous les moyens qui ont été mis en jeu depuis la dernière année jusqu'à présent. Et nous souhaitons en tout cas que cet accompagnement puisse continuer, parce qu'en fait nous avons des échéances à venir, notamment les championnats du monde et après. Mon émotion et ma fierté de m'adresser à vous au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République qui m'a chargé de vous traduire sa satisfaction et vous exprimer ses encouragements à la suite de votre prestation au Sénégal et de la moisson dont vous êtes porteur en rentrant au pays. En effet, après une décennie de traversée du désert. On peut dire que le handball congolais, en particulier le handball féminin, renaît de ses cendres. Vous avez pu redonner sourire et espoir aux fanatiques des sports. Nous vous avons suivi, oui, vous avez dit, quoi calme, mais particulièrement en 2021, lorsque vous avez représenté le Congo mondial. On ne va pas dire que la prestation n'était pas bonne, non, mais c'était la mise en train qui vous a permis aujourd'hui de mieux vous exprimer à la faveur de cette Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal, où vous avez tutoyé les grands, vous avez bravé les briseurs de rêves qui se sont présentés à vous comme des épouvantails, ayant fait peur à tous vos compatriotes qui n'espéraient pas vous voir arriver au niveau où vous êtes arrivé. En ayant été premier de votre groupe, en finissant la compétition, après avoir occupé la troisième place, battant ainsi le pays organisateur qui avait été présenté comme le grand épouvantail, vous avez fait honneur à votre pays. Et nous ne pouvions pas vous laisser arriver, vous laisser entrer dans vos domiciles respectifs sans vous traduire la reconnaissance de la nation. Je voudrais, encore une fois, au nom du président de la République, au nom du peuple et de tous les partisans du sport, vous dire toutes mes félicitations, toute notre admiration et demander les acclamations en votre honneur. Qualifié pour la Coupe du Monde de 2023, oui, nous avec vous. Ce n'est pas vous qui êtes qualifié, c'est le Congo entier, c'est le gouvernement, c'est le président de la République et c'est tout le peuple congolais qui est qualifié. Vous pouvez être sûr que vous bénéficierez encore du soutien de tous vos compatriotes, de votre gouvernement et du président de la République pour que nous nous retrouvions à votre retour à cette occasion, non pas seulement avec la médaille, mais avec la coupe.
Je l'avais dit il y a quelque temps au nom du président de la République que nous étions engagés dans un contrat moral de développement du sport. C'est l'occasion pour moi de dire à ce président de la fédération et à l'ensemble des fédérations qui suivront la ligne tracée par le gouvernement, qui sauront se mettre dans la trajectoire définie par le gouvernement, qui sauront faire preuve de responsabilité et de franche collaboration avec le gouvernement. Oui, nous garantirons à toutes nos fédérations le soutien et l'accompagnement du gouvernement pour que nous puissions aller vers des conquêtes encore plus grandes dans l'intérêt du peuple congolais et dans le cadre de la promotion réelle de notre sport. Voilà, donc je suis heureux de partager avec vous ces moments et je saurai rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République pour lui exprimer aussi votre reconnaissance pour tout le travail qui a été fait et pour avoir permis d'exprimer ouvertement cette reconnaissance nationale à votre endroit. Je vous remercie. C'est un sentiment de fierté, en tout cas, pour tous ces honneurs. Nous y attendons pas du tout et du coup, ouais, on est un sentiment de fierté, en tout cas, et, voilà, et d'accomplissement. Le soutien du gouvernement, du Premier ministre, du président de l'État, on a fait honneur au Congo, on a fait honneur à ce pays que j'aime énormément. Ça fait un an et demi que je suis là. On est venu, on a travaillé étape par étape, on était clair sur notre projet. La première des choses, c'était de ramener le Congo après 14 ans d'absence à la Coupe du Monde, c'était à Yaoundé. Chose due, et on l'a fait. Après, on est parti au championnat du monde, on s'est passé au deuxième tour. C'est la première fois, dans tous les sports confondus au Congo, qu'un sport passe au deuxième tour dans une Coupe du Monde. Après, il y avait Dakar, je pense que toutes les équipes étaient préparées pour nous par rapport à l'exploit qu'on a fait en Coupe du Monde. On était dans une poule avec 5 équipes. On est la seule équipe dans la Coupe d'Afrique des Nations qui a joué 7 matchs. Si on prend le match de classement, ça fait 7 matchs. Même les finalistes, l'Angola contre la Cameroun, ils n'ont joué que 6 matchs. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de fatigue. C'est pour ça qu'on a pu perdre ce match de la demi-finale. Malgré que ça fait juste un an et demi, on a joué qu'avec des équipes qui ont 5 ans, 6 ans d'existence. Mais ce qui est important, c'est qu'on a ramené une médaille après 16 ans d'absence. On a rendu le Congo à sa place qu'il mérite. C'est un grand pays du handball. C'est un pays qui croit gagner des titres avec des braves dames dans les années 80. Maintenant, on l'est là. Ce qui reste, c'est juste l'accompagnement et le soutien, comme l'a fait Monsieur le Premier ministre, bien le ministre des Sports. J'espère être à la hauteur. Et comme ça, la prochaine CAN, pourquoi pas ramener la Coupe ici. Je les appelais mes Amazones avant. Depuis un certain temps, je les appelle mes impératrices. Les filles nous ont fait honneur. Le staff technique a travaillé de manière à ce que nos filles réussissent. Je n'en peux être que très fier, très très fier. Il y a presque un an et demi, lors de la CAN de Yaoundé, nous étions quatrième. Nous étions arrivés en demi-finale. Nous n'avions pas le droit de faire moins que cela. Nous sommes arrivés en demi-finale et sommes troisième. Donc il y a un léger mieux. Donc moi, oui, je m'attendais à pareil résultat. D'ailleurs, mon objectif était plus élevé. Nous voulons faire plus. Nous voulons réellement honorer le Congo. Mais pour cela, il ne suffit pas d'aller donc, à ces échéances pour aller représenter un pays. Non, nous devons nous préparer. Nous préparer, c'est mettre les moyens. Il faut vraiment mettre les moyens. Nous avons plusieurs stages, il faudra honorer ces stages. Mon sélectionneur, Younes, ne cesse de le dire. Quand on manque un stage, bah écoutez, quand on manque une préparation, bah c'est comme si on partait un peu handicapé à une compétition. Nous devons y aller réellement préparé, parce que là-bas, ça ne sera pas de rigolade. Vous savez, la Coupe du Monde, ça sera des grands pays du handball. Mais des grands pays du handball. La fois dernière, on y était allé, je pense que vous avez vu, on n'avait pas fait piètre figure. C'était bien. C'était la première fois que le Congo atteigne même le tour principal. On devrait essayer de faire mieux, non? Mais pour cela, il faut investir, il faut les moyens et bien sûr du travail. Et nous, on va travailler. Nous sommes prêts à travailler, mais il faut qu'on nous accompagne. Et le Premier ministre l'a dit ici, qu'on nous accompagnera et j'en suis très heureux.